Bonsoir. Bonsoir Paris. Bonsoir Paris. Bonsoir. Oui, c'est l'événement cinématographique de l'année, on peut le dire. Vous avez raison de réserver votre soirée. On attend Yolande qui arrive. Alors Jonathan Cohen et Vincent Macken sont occupés, ils font l'émission quotidien sur TMC, donc ils nous rejoindront après le film. Vous les verrez dans le sort du film est entre leurs mains. Voilà. Donc écoutez, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux, hein. C'est génial de voir autant de monde. J'espère que le film va vous plaire, c'est notre 10e film avec Benoît. Sur une idée un peu folle, nous sommes partis dans cette aventure. Et ça n'a pas été très facile à mettre en place, hein, je ne vous le cache pas, mais grâce à Alexandra qui est là. Moi aussi, je voudrais quand même raconter, parce qu'il y a un tout petit truc comme ça. Même les plus proches entre nous-mêmes, nos amis, notre famille, même ceux qui riaient, nous rappelaient le lendemain en disant « Vous êtes sûrs ?» Et franchement, Alexandra, qui est quand même très important son avis pour nous, puisque... c'est notre 10e film, mais c'est aussi le 10e film qu'elle distribue. Donc quand je me rappellerai toujours de cette conversation téléphonique, je raconte le pitch, il y a un silence, tout d'un coup je l'entends exploser de rire. Elle me dit, ben on sait jamais, sur un malentendu. Je sais pas si on va trouver beaucoup de partenaires, mais... Mais on a quand même bâti tout ça. Tout un truc sur cet éclat de rire d'Alexandra et sur ce malentendu. Vous n'allez pas brancher à la fin. Non, mais franchement. Et donc, grâce à ce film, à deux piliers qui sont le féminisme et l'écologie, grâce aux femmes, donc à Alexandra et à Emmanuel DeVos aussi, qui était dans la commission du CNC et qui a éclaté de rire aussi au pitch du film. En deuxième lecture, on est passé lecture, juste en c'est. Non, mais c'est incroyable. Donc on a réussi à monter ce film d'une façon quand même assez extraordinaire, parce que en fait on a terminé ce film le 18 décembre dernier, donc et on voulait vraiment sortir avant la présidentielle, donc ça a été un espèce de tour de force grâce encore une fois à Alexandra et à la post-production et à tout le monde pour pouvoir vous présenter ce film le 6 avril, donc quelques mois, 3 mois, je sais pas, 4 mois après. Tout ça pour faire élire Marine Le Pen, bravo. Oui, c'est vrai, c'est pas notre faute. L'essentiel, c'est que le film marche, tu sais. Le reste, on s'en fout. Hein. Donc voilà, ça a été un tour de force pour vous présenter ce film maintenant, juste avant les élections. Donc voilà, nous sommes entourés de deux acteurs que vous allez voir donc après le film qui vont arriver, mais aussi de nos amis habituels qui viennent... toujours dès qu'on les appelle, c'est-à-dire Yolande, que je vous demande d'applaudir. Alors ça, c'est vraiment, elle a son rond de serviette, hein, donc ça c'est... Et Xavier Mathieu, que vous voyez au bout aussi, qui a son rond de serviette. On lui donne pas le micro parce qu'il va vous demander de voter Mélenchon. Donc, Il y a la peste au premier tour. C'est pour ça que... Allez, s'il vous plaît. Nous, avec Roland, on a toujours voté inutile. Et donc, des petits nouveaux parmi nous. Donc, India, avec qui j'ai tourné un film... Ça fait 2 sur 7. Olivier Maguiné, que je crois, est dans la salle, donc je le salue aussi. India, donc j'ai tourné le film avec elle, c'est quelqu'un d'extraordinaire, et dans la vie, et au cinéma. Donc c'était évident pour moi, comme Benoît, qu'elle vienne nous retrouver dans notre petite famille d'abrutis. Donc voilà. Charlotte Crex, qui est pour la première fois aussi, qui joue le rôle de la secrétaire de mairie. Louis, ça fait 2 ans et demi qu'elle présente Groland, qu'elle est absolument géniale. Donc, merci à Dominique. Et maintenant, Dominique aussi.
c'est les femmes qui sauveront le monde. Déjà, c'est elle qui a commencé à sauver Groland. C'est déjà un bon premier pas. Donc voilà, écoutez, tous ces amis sont là, donc je sais pas, alors, vous voulez dire un petit mot, les amis, ou moi je propose que Yolande dise un mot. C'est Yolande, elle dit un mot, mais en général c'est le bon. Vous allez voir dans le film, elle connaît les hommes en tout cas. Comme il dit, j'ai mon rond de serviette. Il l'a dit, c'est vrai. Et je les aime tellement que j'ai plus besoin de lire les scénarios. Je dis tout de suite oui. Voilà. Madame, je veux bien peut-être avoir un rond de serviette aussi un jour. Merci. Tu l'as, c'est bon. Vraiment, on les aime d'amour et profitez bien. Vraiment, c'était un délice de bosser avec eux. Merci pour tout. Je donne quand même le micro. Je dirai rien sur Mélenchon. Je vous dirai pas qu'il faut voter Mélenchon. Donc, non, mais moi, ils m'ont fait. C'est des salopards parce qu'ils m'ont fait jouer. Ils savent mes idées politiques. Ils m'ont fait jouer un macroniste, un cutéreux et maintenant un flic. Donc, merci les gars quand même. Hein. C'est des champions quand même. Enfin, quand même, écoutez bien au moment où il joue effectivement un flic, un vidéosurveillant, vous allez voir, et c'est eux qui disent ce qu'on pense, nous, vraiment, politiquement, dans l'ensemble. On le fait dire à des flics. Donc voilà, bah, écoutez, passez une bonne soirée. De toute façon, on revient après, hein, donc avec Jonathan et Vincent qui sont là. Donc, écoutez, merci d'être venus aussi nombreux. Franchement, ça fait hyper plaisir. Vous allez voir, vous allez rire, hein, a priori. C'est jamais bon de dire vous allez rire, vous allez rire. Oui, c'est vrai. Écoutez, je ne sais pas ce que vous allez en chier. Voilà. De toute façon, avec Benoît, on reste toujours là, devant, pour regarder vos réactions. En plus, on a un appareil de reconnaissance faciale, il y a ceux qui rient, ceux qui rient pas. De toute façon, on vous tient, là, maintenant, on vous suit à la trace, hein, tous autant que vous êtes. Bon, à tout à l'heure, hein, bonne projection. Oui, c'est chaud, forcément. Oui, non, je voulais juste remercier les partenaires. Pardon. Bah oui, parce qu'en plus, on n'a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça, donc ça va aller vite. Très, 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 très. Donc, je voulais remercier Canal+, Ciné+, ouais. La région Occitanie, le CNC, l'Avance sur Recette. Et les Sophica qui nous ont soutenus, voilà. Et j'en profite d'être là pour saluer mon équipe, voilà. Merci à toute l'équipe d'Alvita, merci pour votre travail, merci pour votre fidélité, merci beaucoup, toujours, bravo. Merci, notre société s'appelle No Money Production, ce qui laisse préjuger des bénéfices à venir. Allez, à tout à l'heure.